Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 18 juillet 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix de la forêt de Chantilly, troisième course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Le parcours des 2200 mètres de la piste du Jockey Club sera emprunté ici par nos prétendants au titre. Sous un grand soleil et une piste annoncée logiquement souple, voire bon souple, il ne faudra pas hésiter à ouvrir ses jeux tant ce handicap divisé de première épreuve pourrait nous réserver quelques surprises. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 4, Panjaman. Cet élève de Stéphane Cérulis, pardon, est en feu depuis plusieurs semaines. Venant de terminer deuxième de Quintet Plus et supplémenté pour la circonstance, il compte gagner. En deuxième choix, le numéro 7, Tennessee Song. Associé une nouvelle fois à Marie Vellon, ce mâle de 6 ans, fils de Yum Zayn, semble pris à une valeur 37, lui offrant une toute première chance de victoire dans ce lot. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Courquiard. Jean-Marie Béguigny l'a toujours bien aimé, et même s'il a été pénalisé au poids suite à son dernier succès, il est en mesure de confirmer avec le numéro 4 dans les stalles de départ. En quatrième position viendra le numéro 5, Lily Blue. Cette femelle de 6 ans, fille d'Anna Bablou, s'entend parfaitement avec Alexandra Lelay. Avec le numéro 3 dans les stalles, si elle voyage bien, elle ne doit pas sortir des 4 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Aaron Wolf. Ce pensionnaire d'Andreas Bolte sera monté par l'un spécialiste des chevaux allemands, en l'occurrence Théo Bachelot. D'une folle régularité depuis le début de sa carrière, il devra encore terminer dans les 5 premiers. Au sixième rang sera retenue la candidature pardon, du numéro 1, Scaletto. Fabrice Vermeulen fait appel au service de Christophe Soumillon et même avec 63 kilos, il garde son mot à dire pour les places d'honneur. En avant-dernier choix, le numéro 2, Marrakech Express. Stéphane Pasquier est Monsieur Quintet Plus et avec le numéro 2 dans les stalles de départ, il compte bien en profiter pour faire le show. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Night Dance Man. Associé au jeune et prometteur Augustin Madamé, il compte bien profiter de son petit poids pour jouer un très bon rôle ici. En cas de non partant, le numéro 6, Allez Henri, qui nous doit une revanche, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent tiercé quartet quintet plus dans le désordre pour des montants malheureusement ne dépassant pas les 100 euros. Pour vous abonner à Prono VIP et bénéficier de nos nombreux pronostics gagnants, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic.